Commençons donc par définir la psychologie. Ça, c'est une définition, on va dire, très familière, hein. Elle est évidemment complétée lors des premières semaines de cours en septembre, mais on peut dire de façon ordinaire que la psychologie est une science, oui, parce que c'est une science, où on étudie les comportements, les émotions, tout ce qui est affectif. Les processus mentaux, hein, tout ce qui est traitement de l'information à des individus ou des groupes d'individus. L'étude des comportements se fait soit de façon individualisée, selon les disciplines de la psychologie, soit alors de façon contextualisée. C'est-à-dire que nous pourrions, si je prends le cas de monsieur, je peux me proposer d'étudier son comportement. Indépendamment du contexte dans lequel ce comportement se produit, mais je peux aussi considérer que la façon dont il se comporte dans cette salle est tout à fait dépendante du fait qu'il y a d'autres personnes dans la salle. De manga avec les cheveux gris. Viens me Vedi Bailly, et nous avions marché jusqu'à une espèce de cuvette située à l'arrière de la ferme. Et j'avais compris qu'il s'agissait du ravin. Combien de fois suis-je venu là de nuit, à Vedi Bailly songeur? Combien de fois, sitôt Malouchi monté se coucher, sommes-nous accourus nous rassembler là, entre ouvriers de la ferme? Les premières fois, mon père me tenait par la main. Et il y avait un sentiment de liberté qui a disparu après.
Il n'y avait tout simplement pas encore la peur, pas encore la douleur des proches disparus, pas encore la haine, pas encore la soif bestiale de vengeance. Maintenant et pour finir, pas encore la fatigue, il nous ouvre les étages et la maison se déplie, se révèle bien plus grande encore que je ne l'avais imaginée. Elle n'est pas négligée, non, tout est propre, mais elle ressemble à un lieu dans lequel on vient d'emménager, qu'on n'a pas encore osé investir. C'est comme si Milan et Anna étaient restés sur le seuil de cette maison, qu'ils occupent pourtant depuis si longtemps, cette maison qu'il est venu admirer en pleine guerre en prenant tant de risques, et où l'on se serait attendu à voir partout les marques de leur vie commune. C'est comme s'ils ne parvenaient pas à empeupler tous les recoins, ou peut-être qu'à l'abri des regards, il y a des pièces chargées de bibelots et de souvenirs que je ne verrai jamais. Je rêverai de cette maison des semaines plus tard en écrivant sur elle, d'une lumière enfermée dans une coquille de noix, vive, et de pièces qui se révèlent à mesure qu'on avance, d'un labyrinthe en hauteur qui n'en finit pas de se dérouler. Milan promène le faisceau de sa lampe sur les murs. Dans l'immense grenier, il n'y a aucune autre lumière, juste quelques rayons qui filtrent par les parois disjointes du toit. Le sol est semé de trous masqués par des planches.